RTCI nous réunit. Automoto sur RTCI. اسمع نحط الموسيقى خير. Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Automoto sur RTCI comme d'habitude, donc voilà, il fait très beau dehors, il fait même très très chaud, et donc comment ça va Emmanuel? Bonjour à toutes et à tous, ouais. Il fait très beau dehors, oui. En fait c'est ça ce qui donne le vrai atout de la climatisation. Voilà, on comprend quelle est sa valeur. On va faire gagner tout à l'heure, donc avec Technomotors, donc on va faire gagner un bon d'achat, une vérification un bon totale service. De la climatisation, de toute la... Le circuit de climatisation. Exactement. Alors, évidemment, on va aussi faire gagner 200 dinars grâce à notre sponsor Castrol de la société Jean Lassa. Et vous avez été nombreux déjà à appeler dès 9h30, n'est-ce pas, Sarah? Comme tu dis, Sarah qui est à la coordination. Bien, donc nous aurons aussi un second partenaire, Technomotors, le showroom Atelier Mécanique, installé à la zone d'affaires du CRAM, près de la voie internationale du CRAM, et qui va lui aussi nous offrir un beau cadeau, donc on en parlait tout de suite. Et il faudra suivre avec nous donc l'intervention de notre jeune Didi. C'est un jeune manager qui est très talentueux. Il est cofondateur and chef product officer de la plateforme Kpace, qui vient de réaliser un intéressant benchmark sur les pages Facebook des 10 plus actifs concessionnaires auto tunisiens. Alors aujourd'hui, grosse sur absence de notre ami Qais. Qais qui est en train de se baigner. Voilà. Il a pris une semaine de congé bien mérité. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, madame, il sera de retour avec nous samedi 12 août. Il est à la côte avec les dames. Oui, bien sûr. Sinon, elles vont plus appeler après. Hein. Exactement. Donc, avec moi pour épauler le romano-belge au germano-tunisien, le multinationalité d'Actuoto. Oui. Actuoto, donc ACTUOTO. Et ces interventions précises et judicieuses seront, comme d'habitude, un grand apport à notre émission. À la technique, la resplendissante Wafé Bouzaïda. Elle est magnifique cette dame. Et puis aussi magnifique Salah Abjoued qui est à la coordination et qui répondra de sa belle voix sulfureuse à vos appels. Donc je vais tout de suite lancer la question de Castrol, le lubrifiant industriel Castrol Blaycott 6, alors G01EF, a été utilisé dans l'astromobile Curiosité de la NASA. Tu connais ça toi? J'espère que je dois connaître, parce que sinon si on ne connaît pas trop, nous même les auditeurs, comment ils vont faire? Alors ou sinon moteur de voiture de course, hein, ce sera au pif les amis aujourd'hui, donc hein, ce sera A ou B. Alors c'est l'astromobile Curiosité de la NASA ou le moteur de voiture de course. Donc je répète la question, le lubrifiant industriel Castrol Blaycott 601, d'ailleurs c'est pas G, c'est 601EF, a été utilisé dans l'astromobile Curiosité de la NASA ou le moteur de voiture, dans un moteur de voiture de course. Vous appelez le 71 840 000 et Sarah vous répondra. Donc normalement voilà. La description de l'huile, elle peut orienter nos auditeurs a priori. Exactement. À ce que j'ai compris, avec un peu de flair. Tout à fait. 200 dinars sont offerts par Castrol de la société Jama. Allez, on lance le sommaire. Au sommaire sur RTCI. Alors mon ami, au sommaire. Au sommaire, donc nous avons notre invité. Oui. Ensuite, on fait un petit récap. Donc on fera un petit l'essai de la semaine, un peu d'actualité aussi automobile pour le premier semestre 2017. Et après, on enchaînera avec tes infos conseils. Mourad, tu nous as préparé quelque chose aujourd'hui. Oui. Restez jusqu'à la fin pour écouter un peu les précieux conseils qu'on vous donne. Bah, c'est pour ceux qui partent en vacances au bord de plage, et on vous dira combien l'effet néfaste du sel et du sable peut vraiment être néfaste sur votre voiture en fait. Justement, si on le laisse, oui. De toute façon, on traitera de ça dans l'info conseil. Restez en ligne, voilà.
Ok, donc avec nous aujourd'hui, alors nous avons aujourd'hui, donc d'abord, avant tout, c'est, alors, que je ne me trompe pas de nom, donc c'est Whale Awidi. Oui, bonjour. Whale. Bonjour. J'ai eu beaucoup de mal à t'inviter. Merci pour l'invitation, très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Oui, tout le plaisir est pour nous. En fait, donc, QPES est un outil d'analyse et de benchmarking SMO pour s'évaluer et se comparer. Cet outil est un vrai plus pour le reporting social média. Il permet d'évaluer d'une façon précise et statistique sur les différents réseaux sociaux et de les comparer avec ceux de vos concurrents. Voilà, tout est dit. Bon, je vais peut-être vulgariser un petit plus pour les auditeurs. D'accord. Donc, j'ai une page Facebook. Oui. Je dépense sur ma page pour à travers les agences de com et tout ça. Oui. Donc, et j'ai besoin d'évaluer réellement le travail effectué sur cette page. D'accord. Donc, pour faire ça, vous avez besoin d'un outil, de monitoring, de reporting, pour faire le reporting mensuel et quotidien aussi, et faire le benchmark pour se comparer. Ok, j'ai 5000 interactions, mais par rapport à concurrents, c'est peu, c'est trop. Donc, on fait un benchmark pour savoir les meilleures pages, les meilleures pages en termes de nouveaux fans, d'interactions, les meilleures publications, et tout ça. Voilà. Donc en fait, vous mettez sous la loupe plus de 10 000 comptes sociaux de la région ? Oui, entre la Tunisie, Maroc, Algérie et Égypte. Donc on scanne les pages Facebook des marques et médias aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un comparateur de pages ? Oui, oui. Ouais. C'est, alors c'est un alors peu ouais, ça, on va c'est... mettre le fond à Abu Dhabi. Il y a un fond, voilà, merci. Voilà. on revient à Abu Dhabi, comme d'habitude, pour la météo. Voilà. Et donc, voilà pourquoi nous on t'appelait, parce que d'abord, t'es un jeune et puis on était intéressé de te voir, sincèrement. Oui, nous, merci, ça nous fait plaisir de voir des jeunes qui travaillent. Et puis bon, surtout, tu as fait un beau travail là, un benchmark. Sur l'automobile. Sur les 10 concessionnaires automobiles les plus actifs. Les plus actifs sur Facebook. D'accord. Voilà, donc il faut faire un peu la différence. Souvent, on trouve, ils nous appellent les marques, pourquoi je ne suis pas le premier et tout ça. Donc, c'est le classement de l'efficacité et de la communication digitale de la marque. Ils t'ont appelé, hein ? Oui. Ils t'ont appelé. C'est sûr. C'est sûr qu'ils m'ont appelé. Voilà. Donc, c'est rien à voir avec la notoriété de la marque ou tout ça, juste l'efficacité de la communication digitale. Ils l'ont compris ou pas ? Non, non, oui, ils l'ont appelé. Ils commencent à comprendre. Ils l'ont compris, ouais. Oui, ils commencent à comprendre tout okay. ça. Donc, et ça donne un regard sur le budget publicitaire de chaque marque. Oui, parce et c'est très lié le classement. D'accord. Ouais. D'accord. Donc pour les pages les plus qui ont eu le plus d'interactions dans le premier semestre en Tunisie, donc la première marque c'est BMW Tunisie avec 253 000 interactions. D'accord. Et suivi d'Audi Tunisie 113 000. Oui. Volkswagen 106 000. SsangYong avec 104 000 et Skoda avec 83 000 interactions. D'accord. Ceci concerne les interactions sur les publications, les likes, les commentaires, les partages et tout ça. D'accord. Voilà. Pour les recrutements de fans, combien en 2017 ces marques ont recruté de nouveaux fans ? C'est les abonnés, hein. C'est les j'aime oui, et abonnés. Les j'aime. Mais voilà. C'est plutôt les abonnés. Voilà. Les interactions, c'est en les j'aime, likes, commentaires, voilà, partages. Et maintenant, on parle de recrutement de fans. Ok. Donc, on trouve les Suzuki Tunisie avec 48 000 nouveaux fans, Skoda Tunisie avec 40 000, BMW avec 37 000, et Honda avec 35 000 aussi, et Seat. D'accord. Donc, en fait, c'est 37 000 nouveaux fans de, voilà, de abonnés. Les fans réalisés en 2017. De janvier à juin. Oui. De janvier la période, à juin, oui, c'est 12 mois. Pendant les 6 mois, oui, c'est ça. Oui. Hein, parce exactement, que vous avez établi cette étude sur les 6 mois, donc de janvier voilà, 2017. Sachant que l'étude oui, est en ligne et chaque utilisateur peut changer la date. D'accord. Pour voir les mises à jour du tableau. D'accord. Okay. Donc c'est interactif, c'est en ligne. Oui. Maintenant, en ligne, ils peuvent visiter kpis.digital, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent tout de suite voir le tableau, les meilleurs
publication alors, et secteur. Alors oui, donc la page Facebook, c'est KPEIZ. K-P-E-I-Z, oui. K-P-E-I-Z. Mmh. Donc vous êtes déjà 18 000 fans, j'ai vu. Alors il y a deux jours, ils étaient à 17 000. Et moi, j'ai fait paraître un article, ils sont venus à 18 000. Alors c'est pour quelque chose ou pas? Ah oui, sûrement. il doit te payer pour les 1000 fans. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai beaucoup aimé en fait parce qu'il a fait une belle répartition. Donc c'était un travail méticuleux. Ça prend combien de temps tout ça? Comment ça se passe? Il faut nous expliquer parce qu'on aimerait bien. Ok, on a mis deux ans pour mettre la plateforme en ligne. C'est-à-dire vous êtes une équipe. Oui, une équipe entre développeurs, graphistes et mais des marketeurs et tout ça. D'accord. Ok. Ça se passe comment? C'est une communauté? C'est une entreprise? Non, c'est une entreprise. C'est une salle. Donc c'est une spin-off de l'agence de communication digitale Canacid. Okay, donc elle avait son propre outil. Après, on a créé une autre entreprise pour travailler sur cette plateforme. D'accord. Donc voilà, on est à la recherche de financement en ce moment pour s'exporter. Des recherches de financement. Des sponsors. Des bailleurs de fonds. Des bailleurs de fonds plutôt. Voilà. Ou des sponsors. Ah, carrément? Non, pas des sponsors, des bailleurs de fonds. Voilà. Des investisseurs. Pour l'entreprise elle-même. Des investisseurs. D'accord. Oui. Voilà. Donc on peut vous contacter si on nous écoute. Ah, nous, on a un auditeur assez de classe B, classe A. On a sûrement des investisseurs. Ouais, on a des auditeurs premium. Tous nos auditeurs sont premium. Ouais. Alors, ton numéro de téléphone, tu donnes ton numéro de téléphone? Comment ça se passe? C'est comme vous voulez. Comment ça? En ligne? On va le poster sur Automoto. Donc vous allez sur la page KPEIZ en fait. Hein. Donc, ok, la page KPEIZ.digital, le site KPEIZ.digital. On mettra toutes les coordonnées. KPEIZ.digital. Il y a le contact dont on a en fait. Oui, il y a l'adresse mail, le numéro de téléphone, vous pouvez tout trouver là-bas. D'accord. Bien. Et alors, est-ce que vous allez continuer? Comment ça s'est passé alors? Depuis 6 mois, comment ça s'est passé? Donc on a réalisé la plateforme et après c'est automatique. D'accord. C'est pas un travail manuel. Okay. Chaque jour, je peux me connecter pour voir le classement des marques, d'automobiles, d'industrie agroalimentaire, de soft drink, tous les secteurs qui opèrent aujourd'hui sur le marché digital tunisien. On peut trouver le classement de pages. Il y a même le classement de toutes les marques confondues. D'accord. Est-ce que Wael, vous regardez un petit peu les pages, comme BMW Tunisie a été classé premier, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont mis ils ont partagé des images intéressantes, des commentaires intéressants? Est-ce qu'ils ont fait gagner des fans? Est-ce que des jeux concours, etc.? Okay. Oui. C'est un peu la sponsorisation, à mon avis. Il y a beaucoup de sponsorisation. Sûrement. Général, la réussite d'une page dépend de plusieurs facteurs. Oui. La sponsorisation des posts, car ça sert à rien d'avoir un très bon post sans que personne ne le voit. Oui. Ok. Donc il faut sponsoriser, acheter de la visibilité. D'accord. Après c'est la qualité du contenu. On appelle ça le Facebook Ads. Voilà, le Facebook Ads. Yeah. Après c'est la qualité du contenu. Oui. Maintenant, content is king. Oui. On peut pas gérer une communauté à travers sans création de contenu, sans valeur ajoutée de la marque. D'accord. La marque est sur Facebook pour aider les gens, pour donner des conseils, un contenu pour créatif, exposer. Pour faire exposer le produit. Exposer le produit. Implicitement. Oui, voilà. C'est pas une vitrine publicitaire. Oui. C'est animer la communauté. Voilà. Voilà, les jeux, ça aide et tout ça. La sponsorisation. Okay, mais ça suffit pas. En fait, c'est vrai que c'est pas une question d'argent seulement. Peut-être pour les fans, pour relancer les fans, peut-être pour attirer des fans, c'est vrai qu'il faut de gros budgets quelquefois. Mais c'est pas parce qu'on va dépenser beaucoup d'argent qu'automatiquement on va avoir du succès sur la page. C'est-à-dire qu'il faut aussi il faut publier des choses intéressantes. Voilà, exactement. Des commentaires. C'est les deux. C'est vrai que et il faut avoir le flair. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a quelque chose qui justement va peut-être intéresser tout le monde. C'est là qu'on sponsorise, je crois. Ouais, oui, c'est ça. En faisant un bon contenu, on économise le budget publicitaire. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, ça va ensemble. Oui. Voilà. D'accord. Ok, j'ai une petite question. En fait, en analysant un peu les chiffres pour les nouveaux abonnés, pour les 4 premiers que Wael vient de citer, on voit que c'est presque dans les 40 000. Oui. C'est presque dans les 40 000 sur les 4 premiers. Et on sent que c'est la même campagne de sponsorisation qui a eu lieu. Parce qu'on est entre 37 000 et 40 000. C'est-à-dire là, ça c'est... Oui, peut-être que les marques... C'est la même cible, en fait. Oui, c'est la même cible. C'est à peu près le même budget. Oui. Et forcément, souvent, on trouve une agence de com pour plusieurs marques. Voilà. Et ils gardent toujours une œil sur la concurrence. Donc,
C'est pour ça que vers 40 000 est, okay. le top 5. Bien, donc je crois qu'on a un gagnant au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, qui est... j'ai dit Kreiskab, il n'est plus là, il n'y a plus d'auditrices qui nous appellent. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Alors, qui est avec nous? C'est Fethi Bezine. Alors bonjour Fethi. Merci, bonjour. Vous faites quoi dans la vie Fethi? Je suis un enseignant. D'accord, enseignant en... Quel enseignant en français en arabe. D'accord, enseignant en arabe, c'est très bien. Ben, vous nous suivez sur RTCI, c'est bon ça. Oui. Hein? Donc, alors nous, la question c'était le lubrifiant industriel Castrol Breakout 600EF a été utilisé dans l'astronomie Curiosité de la NASA, ou bien, alors la deuxième question c'était moteur de voiture de course. Alors la bonne réponse? C'est la réponse A, l'astronomie Curiosité de la NASA. Bravo! C'est gagné! Oui, c'est gagné. Vous avez gagné 200 dinars. Vous allez bien profiter de ce week-end avec 200 dinars. Ça aide, hein. 200 dinars, c'est toujours le bienvenu, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Fait. Alors, tu es sur Tunis? Je me permets de te tutoyer. Je suis au Kef maintenant. Ah, oh là, c'est magnifique le Kef. Mais. À mon avis, il fait très chaud, non? Oui, très chaud. Et alors, comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'il y a aussi des forêts qui ont brûlé à côté. Alors, comment ça se passe? Est-ce que ça va mieux? Comment? Excusez-moi, j'ai pas entendu bien. Oui, c'est pour les incendies de forêt. Les incendies de forêt, c'est-à-dire il y a des forêts qui ont brûlé de ce côté. Ici, on n'a pas beaucoup d'incendies. D'accord. Mais. Oui? À côté de. La montagne de Kef. Oui. Mal. D'accord, ok, merci beaucoup. Ben écoutez, on espère que ça va s'arrêter parce que c'est quand même une catastrophe tout ça. Alors vous avez gagné, vous quittez pas, et ça va vous dire comment récupérer votre voiture. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Merci Fethi, et bon week-end. Allez, bon week-end, merci. Ciao. Castrol, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Castrol. On va passer une musique et on revient avec notre invité. Ouais, là, Willy, est pour nous. On va finaliser. Hein, on va essayer de comprendre comment BMW est première. Hein. sur les pages Facebook, bien sûr. Ouais, à tout à l'heure. Okay. Retour dans Automoto, donc c'est sur RTCI, il est 10h24 avec moi, Amenala Benghiza de Actu Auto, et avec nous notre invité, Wael Awedidi de Pace, et en fait en anglais c'est KPIs, yeah. Voilà. Donc c'est KPEIZ, allez sur la page Facebook, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant, Wael? Car ça permet d'évaluer sa communication digitale et la comparer au concurrent, à la concurrence. D'accord, vous êtes les seuls à faire ça? En Tunisie, oui, on est les plus spécialisés dans le social media analytics. Ok. Voilà. Okay. C'est une bonne chose. Hein. Oui. C'est une bonne chose parce que déjà, maintenant, ça a assez évolué. Ouais. Donc, il est grand temps d'avoir un peu un visuel, on va dire, ou un feedback par rapport à ce qui se passe sur Facebook. Ouais. Quelle est la valeur du travail des différentes pages? Parce qu'il y a un travail derrière, il y a plein de gens qui publient des choses. Ouais. Alors moi, justement, Wael, comment tu analyses, comment tu jauges le travail des concessionnaires auto, c'est-à-dire le service marketing, enfin le service digital? Parce que maintenant, tu sais, c'est tout nouveau, hein, ils se sont spécialisés, c'est-à-dire que maintenant, ils recrutent un spécialiste dans chaque concessionnaire, trouves un responsable un digital. Community manager ou quelque chose dans le genre. Exactement, c'est tout nouveau ça, donc ils accordent beaucoup beaucoup d'importance à Facebook. Comment tu vois qu'ils se débrouillent bien ou pas? Comparant aux autres secteurs en Tunisie, oui, l'industrie automobile se comporte très bien sur le digital. D'accord. La présence de plus de 30 marques. D'accord. Donc c'est très bien. Et toutes les pages, on ressent qu'il y a un budget derrière toutes les pages et des publications raffinées, créatives. D'accord. Et un bon message. Oui. Donc, il y a du potentiel. Oui. On sent qu'il y a du potentiel. Oui. Donc le secteur auto. C'est un des secteurs les plus importants dans la communication digitale en Tunisie. D'accord. Ben, voilà, nous on se disait, en niveau publication, en nombre de publications, c'est ça se passe comment? Parce que si on voit le nombre d'abonnés, est-ce que c'est les mêmes? Non. À mon avis, non. Non, sûrement pas. Donc, au début, sur Facebook, il y avait la course au nombre de fans. C'est sûr. Tous les c'est marques, veulent acheter des fans, acheter de visibilité pour acheter des fans. Merci à Mark Zuckerberg d'avoir inventé ça. Mais après, ils se sont rendus compte que ça sert à rien d'avoir des millions de fans si on n'a pas d'interaction sur la page. Après, le budget publicitaire
Maintenant, sur sens plutôt sur les intéressants que sur le recrutement de fans et les nouveaux fans. Voilà, effectivement, c'est des actions. Maintenant, on est passé au stade 2, en fait. Oui. On était au stade 1, qui était un peu le superficiel de Facebook, celui des abonnés, le nombre d'abonnés. Oui. C'est-à-dire, quand on entre sur la page, on a 10 millions d'abonnés. Mais si on trouve si on pioche un peu au niveau des interactions, il n'y a presque rien. Donc, ça reflète que c'est quelque chose qui est le résultat de la sponsorisation. Exactement. C'est pour cette raison qu'on a aujourd'hui un outil, on a conçu l'outil pour comparer les interactions. Effectivement. Mais, c'est ça le vrai apport, moi, là. Oui, en fait, Facebook n'a jamais été gratuit. Hein. C'est un leurre parce que même quand toi, quand toi tu t'inscris, toutes les informations que tu partages sont analysées, bien structurées, enfin, très bien analysées, on va dire. Et très bien. Et il t'oblige aussi à remplir des champs pour avoir le minimum aussi. Hein. Oui, et puis bon, et ça c'est une base de données. Cette base de données, elle coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que ça se vend, tout ça. Et puis maintenant, voilà, il y a des compagnies, beaucoup de compagnies qui investissent de l'argent pour pouvoir aussi atteindre d'autres clients. Est-ce que Facebook... Oui, vas-y. Il analyse même les discussions, nos discussions entre nous. Ouais, si je parle avec toi, que je veux acheter une voiture, demain, je vais voir apparaître une publicité de BMW, par exemple, Facebook. Ouais. Et plus que ça, ils disent que même il y a le micro, ils peuvent même vous entendre donner de la publicité ça, c'est en fonction de la liberté. Donc ça se discute en États-Unis, pas ici. Ouais, voilà. Mais ce qu'on sent aussi, c'est que. Alors il faut que je rappelle, hein, j'ai Widid avec nous de Kpace, donc c'est sur Facebook. Toi tu prononces comment Wael? C'est KPIs. On the Facebook page. Donc c'est une plateforme. Oui, une plateforme de mesure de performance des pages Facebook et bientôt d'Instagram, Twitter et YouTube aussi. Hein. Oui, on va y arriver. Et donc là, pourquoi on t'a appelé, en fait, c'était parce que tu as réalisé un benchmark sur les pages automobiles sur Facebook, les pages des concessionnaires automobiles tunisiens sur Facebook. Et BMW s'est avéré que c'est la BMW Tunisie, c'est la page là, qui a la plus active. Suivi d'Audi, Volkswagen, SsangYong et Skoda. Alors, je viens de dire la réponse. Donc Technomotors, donc quelle est la page la plus active des concessionnaires auto sur Facebook, pardon, en Tunisie. Donc voilà, et vous gagnez une vérification totale de votre climatisation, de votre circuit de climatisation, donc voilà, ou autre service exactement. Donc voilà, quelle est la page Facebook la plus active chez les concessionnaires auto tunisiens. Voilà, vous appelez le 71 840 000, et ça là, se fera un plaisir de vous répondre. Alors on a parlé de Facebook et Instagram qui appartient à Facebook, hein. Oui. Désormais, hein. Est-ce que c'est il y a YouTube aussi? Parlons un peu d'Instagram. Oui. Hier, ils ont fêté un an sur le commencement des stories Instagram. Oui. Instagram fait les stories pour dépasser, pour concurrencer. Il a voulu au début acheter Snapchat. D'accord. Snapchat a refusé. Oui. Donc voilà, il a mis ses stories. Oui. Mais après un an, Instagram a dépassé Snapchat en termes d'utilisateur quotidien de l'application et la durée que l'utilisateur. Déjà, on sent qu'il profite de son intégration sur Facebook aussi. Oui, sûrement. C'est une intégration totale. Hein. Quand tu rentres sur Instagram, on te propose des personnes que tu connais de Facebook. Oui, justement. Et on te dit, est-ce que tu veux partager tes photos de Instagram et est-ce que tu veux les publier aussi sur Facebook. Donc voilà. Tu profites d'Instagram. Moi, je n'ai pas compris pourquoi les gens vont sur Instagram. ils pensent que parce qu'ils veulent quitter Facebook, mais en fait, ils ne quittent pas Facebook. Instagram, c'est aussi... Alors, est-ce qu'on les retrouve, les concessionnaires auto aussi sur Instagram? Oui. Pas les 30, mais il y en a plusieurs qui sont actifs sur Instagram. Les plus actifs, est-ce que tu as Volkswagen, Peugeot, je pense, oui. BMW. Oui. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Sofiane Bendim vient de nous rejoindre. Donc, grâce à lui, Sofiane, c'est le responsable du web. Donc, tout à l'heure, vous aurez l'enregistrement de l'émission qui sera partagé sur Facebook, en podcast. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Tu veux ajouter quelque chose, Wade? Non, rien à ajouter. Bon, vous pouvez visiter la plateforme kpice.digital quand vous voulez. C'est toutes les études
sectoriel sont en ligne. Oui. Et voilà, la démonstration est gratuite de 14 jours. Juste une dernière question. Vas-y. Si quelqu'un a une demande spécifique d'analyse, est-ce que vous pouvez la satisfaire? Oui, oui. Mais c'est sur devis et tout ça, c'est ça, hein? Ça dépendra de la demande. Ah, ça ok, d'accord. Dans tous les cas, notre stratégie, c'est l'automatisation. Ah, ok, d'accord. Plutôt que l'analyse humaine des choses. Et vous cherchez des investisseurs pour pouvoir s'exporter à la région MENA. Voilà. MENA, ok. Ben écoute, bravo, c'était un plaisir de te recevoir. Oui, El Aoudidi. Merci beaucoup. Donc, je répète, donc El Aoudidi de KPEIZ, de K-P-E-I-Z. Voilà, exactement. Et donc, ils ont réalisé un benchmark sur les pages Facebook des concessionnaires auto en Tunisie. Et BMW Tunisie a été la page la plus active. Et puis, Suzuki a reçu le plus grand nombre de fans. Nouveaux fans entre le mois de janvier 2017 et le mois de juin. Merci beaucoup. On passe une musique et on revient avec vous pour l'autre journal. Ouais, laissez l'autre la semaine. Journal. Ok. Voilà. Journal sur RTCI. Automoto donc sur RTCI, il est 10h37. Donc mon ami Amen La Benguise de AccuAuto, de quoi on va parler? AccuAuto donc a essayé une marque chinoise, encore chinoise. D'accord. On va parler d'une marque, mais c'est beaucoup plus sino-chinoise, nous. Sino-anglaise, pardon. Oui, mais oui. Justement, est-ce qu'on a Ayman Montassar avec nous? Je pense que oui, on l'a avec nous. Donc justement, Ayman, salut. Oui, bonjour. Alors, Ayman, Fort Tunisie, à fond la forme, hein? Ah, ça va, c'est excellent pour nous. Ouais. Ça va, vous allez bien? Oui. Et toi, tu vas bien? Salut. Super. Les vacances se passent bien? Ouais, c'est excellent. Bah, avant tout, je tiens à te remercier pour cette invitation et donc à remercier tous les auditeurs de RTCI et toute l'équipe Actu Auto. Donc. Merci. C'est sympathique. C'est tout le plaisir pour nous. Donc, en fait, Ayman Montassar, donc responsable marketing à Alpha Ford. Alors, pourquoi on t'a appelé aujourd'hui? Bah, tout simplement parce que tu as réalisé deux success stories, on va dire. Et oui, parce que tu es premier avec la Ford Fiesta. Oui, on l'a fait. Oui. Donc c'est un exploit, oui, dans le sens où nous sommes leader pour le segment B de citadine avec la fameuse, donc l'indétrônable, on va dire, Ford Fiesta. Oui. Donc on est premier des ventes pour le premier semestre 2017. Oui. Mais encore premier des ventes aussi sur toute l'année 2016. D'accord. Okay. Donc c'est pour ça. Et donc pourquoi je dis que c'est un exploit, c'est dans le sens où la Ford Fiesta actuellement, avec le segment de citadine qui est un segment très compétitif, il y a plein de citadines qui ont été restylées, il y a plein de nouveautés, etc. Et malgré ça, malgré que la Fiesta est en train de prendre donc de l'âge, elle arrive tout de même à se placer en première position. C'est un bon cru, Ayman. Bien sûr. C'est un bon cru. En fait, vous avez vendu 850 voitures, véhicules, 850 Ford Fiesta en 6 mois. À peu près, c'est exactement. Ça. Exactement. Voilà. Oui. Et puis en deuxième position, on retrouve la Renault Clio. Et en troisième. Ah, c'est fort quand même, parce que la Renault Clio, on sait qu'ils sont tout le temps habitués au podium, c'est cette marque-là. Et puis, il y a la Ford Focus, mon ami. Oui. Ouais. Exactement. La Ford Focus, donc, qui est considérée comme la nouveauté par rapport à la gamme Ford Tunisie. Donc, pareil, leader du segment C des compacts, qui est aussi un segment qui devient de plus en plus concurrentiel. Ouais. Donc, la Focus, elle s'impose aussi au niveau des ventes grâce essentiellement à la fameuse motorisation EcoBoost, qui vient aussi pour la sixième année consécutive, donc pour l'année 2017, de remporter le titre moteur international de l'année. Ça fait la sixième année de suite. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui, on n'a pas vu ça auparavant sur le secteur automobile. D'accord. Donc la Focus, elle se distingue par une fiabilité, par une qualité, par une tenue de route. Et si on ajoute à ça la technologie EcoBoost, donc qui vous fait bénéficier d'une consommation très réduite et des performances incroyables, donc c'est un mélange. Molotov, c'est un mot. Voilà. Le Molotov, il consomme beaucoup, Mourad. Et vous êtes devant pour la Focus. Donc vous êtes devant la Seat Leon. Exactement. Et vous êtes devant aussi la Golf, hein, parce que la Golf, exactement. On est en fait devant la référence du marché, la référence entre guillemets, parce que
c'est plus vraiment le cas, donc, mais bon, voilà. Oui, c'est vrai que c'est plus le cas. Autre chose, alors, chez Ford Tunisie, donc, il y a aussi l'arrivée de la Mustang. Ah oui, oui. Ah, fin 2016, donc, on a eu l'énorme plaisir et le privilège de lancer la célèbre Ford Mustang en Tunisie. Donc, c'est, comme vous le savez tous, je pense, c'est le coupé Ford le plus vendu dans le monde. D'accord. Et en tant qu'équipe à Alpha Ford, on ne pouvait pas passer à côté de cela. Donc, on a lancé, on a effectué le lancement à Sousse fin d'année dernière. Et puis, donc, on a vendu directement 4 unités. Et l'actualité, la grosse nouveauté, c'est que, on va dire 3 semaines auparavant, on a livré la première Ford Mustang convertible, donc décapotable. Cabriolet. C'est ça. Voilà, donc c'est ça qui a fait le buzz. D'accord. Donc c'est des motorisations, juste pour information pour nos auditeurs, la Mustang qui a été importée, c'est des motorisations EcoBoost et oui. V8. Donc on peut avoir les deux, on a le oui, choix, on n'est pas obligé d'avoir le V8 nécessairement. Exactement, donc on a fait en fait, c'était un choix stratégique dans le sens où on a fait le trait sur le V6, parce que en fait on a la main de ramener la version EcoBoost en boîte auto et en boîte manuelle, et pareil pour le 5 litres V8. Donc on a choisi l'EcoBoost parce qu'il a fait ses preuves déjà, qu'en termes de puissance donc, et même de chevaudine directement, il dépasse le V6. Donc on a le choix entre le nouveau EcoBoost 2 litres 3 et le 5 litres V8. Oui, d'accord. Donc en fait, celle que vous avez ramenée là, dernièrement, elle est de couleur Lightning Blue. C'est la couleur Dernier Cri. Elle est magnifique, hein, cette couleur. Oui. Et puis c'est un 2.3 EcoBoost, c'est ça? C'est un 2 litres 3 EcoBoost. Oui, c'est un 2 litres 3 EcoBoost en boîte automatique. Boîte automatique de 317 chevaux. C'est, effectivement, il fait, justement, c'est ça. Justement. Oui. Et d'ailleurs, Ayman, il faut signaler aussi que la fonctionnalité Line Lock qu'adorent les utilisateurs de V8, de Mustang V8, sera disponible sur l'EcoBoost. Aussi. Exactement. Ah, je vois pourront... que, moi, en termes de l'actualité, toujours à la page. Ayman. on est actu auto, tu sais. Donc, tu sais très bien qu'on est très agressif, Zekale et moi-même sur ça. Je sais parfaitement, tu sais que j'adore te taquiner aussi, donc voilà. Ayman, dernière chose, puisqu'on parlait de Facebook tout à l'heure, on peut dire que Mustang, c'est l'une des pages les plus visitées. Hein, donc, c'est le Mustang, c'est le modèle le plus visité sur les réseaux sociaux à travers le monde. Donc, c'est la voiture de sport la plus médiatisée, on va dire. Exactement. La plus connue sur les réseaux sociaux de par son apparition sur tous les films hollywoodiens, comme vous le savez. Voilà. Ouais. Mais aussi entre nous, on va vite fait résumer la saga Mustang, parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, elle est très 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 populaire. Je dis bien très très très, bien parce sûr. Que c'est vraiment une voiture qui est faite pour le peuple sportif, on va dire. Allez, donc on peut avoir les deux, on peut avoir une Shelby, donc une très méchante, mais on peut avoir une version vraiment light qui peut faire les trajets de tous les jours. Donc c'est une voiture qui est très médiatisée aux États-Unis, et c'est pour ça aussi qu'on sent qu'elle est très médiatisée aussi. Hein. Elle profite un peu des US. Hein. Parce qu'on est sur 400 millions d'habitants ou 500 millions d'habitants aux USA. Ouais, donc, voilà. Ouais. Bien. Merci beaucoup, Ayman. Juste un dernier point, je voulais rebondir sur un point tout à l'heure. Vas-y. En fait, tu nous avais parlé des ventes par rapport à la Fiesta, à la Focus. Oui. Donc, la gamme Ford actuellement en Tunisie, elle est composée de 4 véhicules. Donc, la Ford Fiesta, la Focus, la Fusion et la Kuga. Donc, on vient dernièrement de lancer la nouvelle Kuga, tu l'as vu dernièrement sur roue. Oui, magnifique, elle marche bien, la Kuga. Hein. Exactement. Ouais, elle se vend bien, la Kuga. Voilà, je voulais te signaler que sur une gamme de 4 véhicules, on est premier sur les deux segments les plus compétitifs, mais encore, avec la Fusion, on est deuxième. Et avec la Kuga, normalement, on va faire un petit quelque chose d'ici fin d'année. Ouais, je pense que vous êtes premier, c'est ça? Écoute, on a l'impression de parler à Google là. on va laisser le suspense. Oui, on va laisser. Oui, mais j'ai vu la Kuga, elle a un gros succès déjà en Europe. Ouais. Même bon, en Chine, j'arrête pas de parler de la Chine moi. Ouais. Mais en Chine, parce que pour moi, c'est devenu une référence, important. La Chine. Et on la voit partout, la Kuga en Chine, hein, la Ford Kuga. Et puis vraiment le modèle, le dernier modèle. Ayman, bravo. On te souhaite bonne continuation. Et puis bonne continuation pour 2018 aussi, parce qu'il y aura plein de nouveautés en 2018. Il y aura la nouvelle Ford Fiesta. La nouvelle Ford Fiesta, la nouvelle Polo va débarquer, il y a la nouvelle Seat Ibiza, il y a la guerre, voilà. Amusez-vous bien. Allez. Merci. Profite des vacances. Allez, profite des vacances. Salut, bye bye, merci. Ciao.
Alors. Alors, on va, oui, d'accord, on va réannoncer le jeu. Donc, tout à l'heure, on était avec monsieur Wella Widini de Kpaze. Donc, on parlait de page Facebook. Des concessionnaires automobiles en Tunisie. La présence des concessionnaires automobiles en Tunisie sur les pages Facebook. Et on avait cité une marque qui était la plus active. Alors, cette marque, c'était BMW ou Audi. Alors, je répète, c'était BMW ou Audi. Et vous gagnez alors un nettoyage complet hein, du circuit de climatisation. De climatisation, et c'est d'une valeur de 200 dinars. Vous appelez le 71 8 40 000. Alors, mon ami. Donc, on revient vite fait à notre essai de la semaine qu'on avait interrompu pour accueillir notre Aymen, pour avoir l'appel avec Aymen Montassar de chez Ford. Oui. Donc là, on va s'intéresser à une marque. Je voulais un peu faire la parenthèse par rapport à cette marque. C'est une marque qui existait, c'est MG, Maurice Garage. C'est une marque anglaise, très, très ancienne, depuis 1924 qu'elle existe. Elle fait habituellement les petites voitures de sport, les Maurice et tout ça. On connaît très bien un peu le nom Maurice. Donc le MG pour Maurice Garage a été racheté par SAIC, le chinois, le groupe chinois, donc en 2007. La marque a choisi de garder des brevets, de partir sur le parti étude chez MG. Donc elle a tout gardé en Angleterre pour la partie étude, mais la fabrication l'a ramené en Chine. C'est un peu logique, puisque même les Européens, ils sont en train de délocaliser pour la Chine. Oh, ça fait des années, ça. Voilà, justement. Donc c'est normal que le Chinois, il va faire la même chose. Voilà, c'est logique, voilà. Donc la fabrication est assurée en Chine, la conception est assurée en Grande-Bretagne. Donc la MG3, le modèle qu'on va détailler aujourd'hui, c'est un modèle qu'on est à sa deuxième génération. La première génération était basée sur une Rover 200. Ensuite, donc, c'est une voiture qui a un design vraiment particulier, qui est très recherché, très agressif et très sportif. Donc ils ont intégré plein de liserés rouges, tout ça. C'est assez ludique pour du sportif. C'est une citadine qui fait 4 mètres. Donc c'est le gabarit de l'Apollo, c'est la catégorie de l'Apollo et de la Fiesta, justement. Ensuite, bon, au niveau intérieur, l'intérieur il est très simple, mais tout en rondeur. On trouve donc la forme de lumière là, en oblong. Donc toutes les formes sont en oblong. L'autoradio, malgré sa présentation très basique, assure toute la connectivité nécessaire, à savoir Bluetooth et USB. L'ergonomie est dans la moyenne. Les rangements sont là, ils se présentent de partout, sauf que parfois, ils sont un peu de dimension réduite. Hein. Donc pour les exploitations, parfois c'est bien et parfois c'est pas bien, ça dépend de nos besoins. Ensuite, il existe une version en biton et toit ouvrant. En fait, il existe une version sans biton, une version avec biton ici en Tunisie importée, et une version avec toit ouvrant carrément. Et la version avec toit ouvrant, laquelle on a essayé sur Actu Auto, donc l'essai est disponible sur YouTube, ACTUOTO. Donc, c'est une version qui a un toit ouvrant, qui donne vraiment de la lumière au niveau de l'habitacle, et ça égaye un peu l'ambiance. Et pour une citadine, c'est assez bien. C'est une voiture qui est destinée pour être fun, pour être jeune, mais aussi pour être conduite par homme ou femme. Ça peut être une petite voiture de famille, mais sans plus, parce qu'au niveau coffre, on est un peu limité au niveau coffre. On va parler un peu de l'habitabilité. Donc la spécificité de la voiture, c'est la forme des vitres latérales avant. Donc c'est une forme qui... On parle de la MG. MG3, 3. Voilà. La MG3, oui. C'est le petit modèle, la citadine. Bon, petit, la citadine de chez MG. Donc la forme des vitres latérales est assez réussie, elle reprend les dessins anglais des années 60-70. Ensuite, la marque MG hérite donc des brevets anglais, mais leur assure une mise en production à la chinoise. Donc on s'attend un peu à la qualité des plastiques qui n'est pas au top. Hein. Donc c'est un peu logique, et vu le positionnement tarifaire, après on verra. Donc c'est logique. Donc au niveau coffre, habitabilité, donc au niveau coffre, on est sur du 250-260 litres, ouais. Qui est dans la moyenne basse, on va dire. Raisonnable. Voilà. Mmh. Ensuite, donc pour la conduite, donc le 1500, donc le 1.5 de 107 chevaux est une bonne motorisation pour ce gabarit et ce poids. La direction est précise. Malgré les jantes en aluminium et la montre pneumatique basse, le confort reste très acceptable. Les manœuvres sont faciles et le gabarit de la voiture est gérable en ville, tout comme sur route. Les reprises sont bonnes et le confort acoustique est acceptable. Reprises sont bonnes. Est-ce qu'entre la deuxième et la troisième, il n'y a pas un petit... Ça dépend du régime dans lequel on se place. D'accord. Parce qu'il est très important... Un petit ralenti, on va dire.
justement, il faut comprendre. Sur l'Opel Corsa, tu te souviens avant? Oui. Mais justement, donc il y a des voitures. Ça, c'est très important. C'est le point qu'on avait un peu. On avait parlé sur la consommation et la climatisation. Il faut connaître son moteur. Moi, je dirais que c'est comme ça. Bon, on est obligé. Hein. Si on veut éviter les lags, là, ça s'appelle des lags. Okay. Donc c'est une partie où la prise de régime. Il y a un vide. Ouais. Voilà, prise de régime prend du temps. Ouais. Et on attend. On est en train d'attendre. Bon, ça prend une seconde en fait. Hein, mais psychiquement, on attend. Donc là, ce qu'il faut, Mourad, c'est il faut savoir quand est-ce qu'on passe les rapports. Ça, chaque motorisation a sa spécificité. D'accord. Si on conduit une motorisation atmosphérique, donc à deux soupapes, c'est une manière de conduire. C'est une manière de conduire la voiture. Et si on est sur, par exemple, sur un trois cylindres, c'est une autre manière de le conduire. Au niveau de la, c'est-à-dire tu la conduis, toi, est-ce qu'elle a une bonne, est-ce qu'elle est assez confortable, est-ce qu'elle a une bonne tenue de route, pour la tenue de route, c'est très sain, c'est une citadine, il ne faut pas l'oublier. La motorisation permet de faire de la route, permet de faire d'autoroute, mais il faut pas pousser trop loin le bouchon parce que la catégorie ne le permet pas. D'accord. C'est-à-dire si on est sur une citadine. On ne peut pas prétendre à des qualités de routière ou de berline. Donc, c'est logique que, par exemple, on va dire, elle ne va pas être stable à 180 ou 190 km/h. C'est normal. Oui, mais de toute manière, la limitation de vitesse est à 120 km/h. Effectivement, ça, c'est un. Et c'est deux aussi, même si on est sur route fermée ou sur circuit, on ne peut pas s'attendre à des prestations que d'autres modèles peuvent le faire. Ouais, pour ça, on peut choisir la MG GT, par exemple, qu'on traitera prochainement. C'est le modèle de sedan de GMG. Elle est proposée à combien? À 3 000? Justement. Donc, entre 33 et 35 000 dinars. Il y a trois versions parce que donc effectivement donc c'est la moins chère dans son segment, je suppose aussi. Pas tellement parce que ça dépend si on est sur ce gabarit et sur ces prestations, on va dire ergonomiques, habitabilité. On peut aussi considérer la Suzuki Swift aussi un peu, qui est un peu moins chère. Tu as toutes les options aussi. Par contre, justement, ce qu'on a, c'est que c'est conçu d'une manière assez moderne. Oui. Il y a plein d'équipements. Donc Et puis esthétiquement, elle est un peu plus belle. On parle de jantes 15 pouces, je crois. Justement, c'est des jantes bicolores. Il y a une sortie d'échappement en trapèze qui est très jolie. Un déflecteur d'air à l'arrière, on dirait que c'est une voiture de course. Ouais. Donc il manque juste l'antibrouillard au milieu. C'est juste le tableau de bord qui me dérange un peu. Tableau de bord, il fait un peu kitsch. Il fait kitsch, mais aussi il faut comprendre que Maurice, c'est un peu l'héritage MG. Hein. Ouais, ouais. Donc, on peut s'amuser. Hein. Il y a plein de. C'est comme sur la Mini en fait. Hein. On peut l'habiller, personnaliser de plusieurs couleurs et puis de plusieurs croquis, etc. Ouais. Donc il est 10h53. On va passer à l'info conseil. Effectivement. Automoto, info conseil. Alors aujourd'hui, on va parler. Une grande partie des Tunisiens utilisent leur voiture pour se rendre sur les lieux de vacances. Et le plus souvent, une fois arrivé, l'auto est exposée à toutes sortes d'agressions extérieures dans un milieu qui n'est pas toujours idéal, notamment en bord de mer. Voici quelques conseils pour préserver carrosserie et habitacle pendant vos vacances en bord de mer. Attention au soleil. Si l'on pense à protéger sa peau contre le soleil brûlant de l'été, sachez que votre carrosserie subit également les effets de la chaleur, n'est-ce pas, Ayman? Oui, il faut prendre un écran pour la voiture. Donc la température monte beaucoup dans l'habitacle et les joints sèchent et la peinture est agressé. Donc, alors il y a une cire, on peut utiliser une cire. Polish. On peut utiliser une cire aussi, on peut procéder au lavage plus fréquemment que ne le pensent les gens, malgré que on va penser qu'on va encore à la plage et la voiture va se salir, il vaut mieux prévenir, donc laver la voiture, même si on sait que le lendemain on va y aller à la plage encore une fois, parce que ça préserve plusieurs parties de la voiture. Et, et le cycle, on va dire, de salissement, il recommence. Et oui, car le sable, c'est le pire ennemi de notre voiture, mon ami. Donc, il est très apprécié sur la plage, ok, mais il n'est pas apprécié par votre voiture. Même pour les chaussures, hein. Il est omniprésent en bord de mer et peut se dissimuler partout sans que l'on puisse s'en apercevoir. Carrosserie, habitacle, éléments mécaniques sont envahis au moindre coup de vent, ainsi qu'au retour de baignade. Quand on vient de baignade, donc l'idéal serait de pouvoir se stationner à l'écart, mais ce n'est pas toujours possible avec des enfants.
C'est normal, il faut être à proximité. Et on est, la voiture doit être exposée, donc il faut avoir un bouc émissaire, c'est la voiture. Alors, quelques précautions permettent de limiter les dégâts, c'est de prendre une douche avant de remonter dans la voiture pour éviter la propagation du sable dans l'habitacle, éviter d'actionner les essuie-glaces au moment de repartir, le sable provoquerait des rayures irréparables, effectivement. Et nettoyer régulièrement son auto, même sur son lieu de vacances, comme tu disais là à l'instant. Donc, et puis, il faut aussi entretenir les organes de freinage, les disques et plaquettes pour éviter la formation de rayures. Et aussi pour prévenir, parce que si on est en vacances, on va solliciter la voiture, on va être en famille, on est responsable, donc on est obligé de vérifier encore plus la voiture, d'être encore plus vigilant. Ouais. Et aussi par rapport à la sécurité routière, il faut être prudent. Il faut être prévenant. Un peu de prévention serait la bienvenue pour la conduite. Autre chose, moi je voulais parler en fait il faut aussi penser à couvrir un peu la sellerie de la voiture pour éviter au retour de baignade de laisser des marques sur le tissu des sièges et tout ça. Comme ça on n'est pas, c'est-à-dire la voiture elle reste clean, on va dire. Exactement. Alors pour nettoyage de la carrosserie, tu en parlais tout à l'heure, il faut éviter les rouleaux. Tu vois, ça, il faut les éviter parce que la présence de sable entraînerait des micro-rayures. Il faut privilégier le jet d'eau. Oui. D'accord, donc ça, c'est mieux. Le sel, il est aussi très corrosif pour l'auto. L'atmosphère de bord de mer, est saine et votre voiture n'apprécie guère ses effets corrosifs. La pluie, les embruns et même le sable sont chargés de sel et peuvent notamment dégrader carrosserie et joints. À l'instar de ce qui ne peut être fait pour se protéger du sable, un traitement préventif de la carrosserie et des joints diminuera les effets nocifs du sel. Oui, mais bon, pour la prévention de l'été, j'espère que vraiment les Tunisiens ils vont progresser dans cet esprit-là. Pourquoi pas aussi avoir des jeux d'essuie-glace qui sont faits été pour l'été et des jeux pour l'hiver aussi. Ça peut être... Il y en a qui le font. Oui. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, le sel est également présent sur les vêtements comme sur les maillots de bain. Il risque donc d'attaquer votre sellerie. Pensez-y avant de regagner votre tour. Voilà. Donc, en fait, un nettoyage approfondi s'impose au retour des vacances. Vous l'aurez compris. Faites attention. Et puis, bonnes vacances à tout le monde. C'était l'info conseil du jour. Merci de nous avoir suivis. Alors, Emmanuel, c'était pas mal. C'était sympa aujourd'hui. C'était sympa, mais il nous manque quelqu'un encore. Il revient la semaine prochaine. T'as remarqué qu'il n'y a plus de voix de féminine qui nous appelle. C'est normal. C'est et elles ont plus, elles ont pas de Clio. Ah, je vais, tu sais quoi, je vais. Il a un problème avec la femme Clio. Je sais pas comment il les intercepte. Prescab, on te salue, tu nous manques beaucoup. Donc merci à tout le monde. Merci à Sarah, merci à Wafé, donc et merci à Sofiane. Donc on rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu. Bye bye. Bon week-end.